السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وفي هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الفرض الثاني في مادة اللغة الفرنسية واللي كيخص لا برودكسيون إكريت بالنسبة للأولى إعدادي بالنسبة للمسلكين الدولي والمسلك العادي. السنة الدراسية 2022-2023 عندي في هذا الفرض 4 ديال لي كونسين. نبداو بلا بخوميييغ كونسين، عندي عليها 5 ديال النقط. غولي باغ دي فليش شاكون دو ليكسيك دو كونت أ سا ديفينيسيون. Donc, à domaine dit les lexiques du conte, il y a un domaine à le conte, les c'est une histoire imaginaire. On a adna les définitions, à sa définition, on a adna tsa'arif dialo. La formule de début, la cause de départ, le portrait valorisant, le portrait dévalorisant et la fin d'un conte. Donc, la formule de début, on a qu'on a fait la formule de début, qu'est qu'on fait l'oul dial le conte, l'oul dial l'histoire imaginaire. Où il y a, il était une fois, il y avait autrefois, il y avait une fois, qu'un y a maquin. Donc, le problème du conte, il commence généralement par un jour, là. Une phrase introduisant un conte comme il était une fois, oui. Donc, la formule de début, c'est une phrase introduisant un conte comme il était une fois. La cause de départ. La cause de départ, l'événement inattendu. La cause de départ, le problème. Vous savez, le problème du conte, il commence généralement par un indicateur de temps comme un jour. C'est bien. Le portrait valorisant. Le portrait valorisant, le portrait qui a été une valeur, qui a été une valeur. Yani, il y a une valeur, il y a une chose. Ou il y a une chose. Donc, le portrait valorisant, il y a une chose. Donc, c'est une description positive. D'accord? C'est une description positive. Description positive d'un personnage. Ou le contraire d'elle, ou le portrait dévalorisant. Il y a, c'est une description négative d'un personnage. Donc, il y a des. Maintenant, la fin d'un conte. L'histoire imaginaire, il peut être une fin heureuse ou bien malheureuse. Il peut être une fin heureuse ou bien malheureuse. C'est bien, donc il y a la fin du conte. Nous avons maintenant la deuxième consigne. Suivez avec moi. La deuxième consigne, je suis un dinaya, mets les phrases suivantes en ordre pour avoir un texte ou bien un conte cohérent. Donc, regarde les phrases à deux, les jumelles à deux, on a rattrapé pour que je n'ai pas le texte, le texte qui est cohérent, mutagénis, ou le conte qui est mutagénis. Mais donc, enfin, ils décidèrent de se marier. Depuis ce jour-là, ils vécurent une vie paisible. Il y avait une fois Longja qui vivait au cours de l'Atlas. Elle était ravissante et aimable. Un jour, Longja décida d'aller à la forêt pour chercher une plante pour sa maman. Elle rencontra un chevalier qui se promena dans la forêt et il discuta avec elle. Donc, Nayam tabiat hal le conte katbda. Elle était une fois. Ouais, la formule de début. Fin kaina la formule de début kaina. Donc, on va d'abord que je me l'ai dit. Donc, il y avait une fois Lunja qui vivait au cours de l'Atlas. Elle était ravissante et aimable. C'est la jumelle loula. Bad anzidou mouraha. Naya, donc il y avait une fois Lunja qui vivait au cours de l'Atlas et elle était ravissante et aimable. Enfin, donc anzidou mouraha, l'événement inattendu. Le problème. Un jour, Lunja décida. Là, je vois le problème. Et l'événement inattendu. D'ailleurs, l'événement inattendu qui est l'indicateur de temps. On mourra verbe au passé simple. Là, ouais. Décida, c'est le verbe décider conjugué au passé simple. D'aller à la forêt pour chercher une plante pour sa maman. C'est bien. Deux ou un. Je me rends enfin, il y a finalement. Il y a fini. Il a dit même que elle rencontre un chevalier. Là. Donc, il y a une la forêt. Il y a une longe. Il y a une longe. Il y a une longe. Il rencontre un chevalier. Il y a une longe. Donc, il rencontre un chevalier.
qui se promena dans la forêt. Dans la forêt, et il discuta avec elle. C'est bien. Adam dit Rudixer, finalement, ou bien enfin, enfin, finir. Ils décidèrent, yani, qarraru, shkoun houma, l'unja et le chevalier. Enfin, ils décidèrent. Yani, finir, qarraru. Qu'on les qarrar, l'unja et le chevalier de se marier. Qarraru, anahum yitzoujou. Depuis, mandaknahar, depuis ce jour-là, ils vécurent, yani, yaishouna, hayatan, saïda, une vie. Ou Salim, une vie paisible. Donc, Ndouzoul 1, la consigne 3. Suivez avec moi toujours. La consigne 3. Troisième consigne, fais un portrait dévalorisant d'une sorcière à partir des informations ci-dessous. Donc, rendez-vous le portrait les voix dévalorisant. Yani, ma radish n'a pas eu le qima. Radin, haoulon dirou wahd description, wahd l'wasf, bidouni et ta eu le qima. Had le qima li hiya silbiya. Donc, chnou radin osfou, radin osfou la sorcière. Tabiat l'hal, l'wasf qui tem flé trois portraits. Portrait physique, li andou alaqab le corps, bel jism. Portrait moral, li andou alaqab le tfkir. La tenue vestimentaire, yani, ma andou alaqab les vêtements. La sorcière était méchante. N'bdaou le portrait moral. Donc la sorcière, sorcière était méchante, des créatures, une méchante créature. Une chose nous stamina des structures, des structures dit le verbe être à l'imparfait plus adjectif. Adam, une structure tania, dit le verbe avoir, plus nom, plus adjectif. D'accord? C'est bien. Elle avait des cheveux. Deux d'abord le portrait physique. Elle avait des cheveux. Des cheveux. Des cheveux. Pardon. UX. Des cheveux blancs. Par exemple, tête. Tête énorme. Énorme. Elle avait aussi, pardon, elle, parce que c'est la sorcière. Elle avait des yeux glauques, 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 des oreilles longues, et le nez pincé. C'est bien d'avoir en dessous la tenue vestimentaire. Elle portait toujours. Un manteau, et chapeau noir, chapeau noir. Un manteau et un chapeau noir. Aucun conche ne dirt ouah la description dévalorisant. Dévalorisant, d'accord. Portrait dévalorisant, portrait dévalorisant. C'est bien. Deux autres, la consigne 4, suivez avec moi toujours. Rédige le début d'un conte en commençant par une formule de début, en utilisant les indicateurs temporels que nous avons étudiés en classe. La conjugaison des verbes doit obligatoirement avoir et être au temps du conte. Utilise les adjectifs valorisants et les adjectifs dévalorisants, ou bien les deux, à la fois pour décrire les personnages du conte. D'abord, on déroule la partie de début, début du conte. On déroule la formule des débuts, la formule qui introduit le conte, etc. Donc, il était une fois. Un paysan qui travaillait, travaillait dans ses champs. Dans ses champs. Il était. D'abord, un double wasf, dit le personnage. Il était chétif et minuscule. Mais très beau, intelligent et aimable. De tout. Parce qu'il. Gagner, bien gagner son argent de ses propres
Mais son seul défaut, et qu'il était célibataire ou bien resté célibataire. C'est bien de Bassalina la partie du début, l'événement inattendu. L'événement inattendu, Radibdab, un matin, Hamid, les rois le paysan, aperçut, chef, une belle créature. Belle créature en se dirigeant vers ses champs. La princesse Nermi. Elle voulut, Brahidarmaha, elle voulut lui parler, mais hésita. Maintenant, ce fut elle qui l'aborda. Bonjour, jeune homme. Que cultiviez-vous dans des oranges, princesse. Princesse. Elle dit que Job, le jaune paysan, d'accord? Les Wamsmi Hamid. Donc, répondit le paysan en lui donnant. Wataha bien, limon. Une. Elle le remercia le lendemain. Le lendemain, le jeune paysan frappa la porte du palais et demanda la princesse au mariage. Au mariage. Le roi va parler maintenant. Je la donnerai à, c'est-à-dire je donnerai ma princesse à qui pourra nous ramener la perle de la gueule du dragon. Dit le roi. Donc, Nadrna, la partie de début. Début du conte. D'accord? Début du conte. Drna, la conjugaison des verbes être et avoir au temps du conte, l'imparfait. Ou ça mène à des adjectifs valorisants, des adjectifs dévalorisants pour décrire de manière valorisante et de manière dévalorisante. La vidéo de le fard mahrous, la production écrite, bnisba, talamid, d'yel oula edadi. Shukran lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.